Aujourd'hui, on va jouer à un jeu complètement fou qui s'appelle Menis. On est coincé sur une île déserte et j'ai tellement faim. Si seulement il y avait un truc pour manger. Hé, hey, mais attends une minute, il y a un fast-food juste derrière nous. C'est pas un peu bizarre qu'il y ait un fast-food sur une île déserte? Allez, on va voir ça un peu. Dans cette vidéo, on va terminer Menis entièrement. Nous allons atterrir sur une île abandonnée et on va y trouver un restaurant plutôt bizarre. Et nous allons y découvrir des secrets sombres sur le restaurant. En rentrant dans ce restaurant, je m'attendais pas à voir ça. On va tomber sur un tunnel et dedans, on va y trouver un hamburger monstre géant. Oh regardez, c'est une des personnes qui travaille dans ce restaurant. Eh, hey, il a l'air vachement sympa. Ça tombe bien, j'ai faim. Allez, je vais aller commander quelque chose. Oh, attendez. Oh, il a l'air quand même vachement méchant. Ah. Aujourd'hui, on va jouer à Menis. Et les amis, du coup, on n'a jamais testé le jeu. On connaît absolument rien du tout de l'histoire. Et je vais être avec Overspace, bien sûr, pour le découvrir. Overspace, t'es prêt pour un long voyage sur une île déserte? Oui. Allez, on y va. C'est parti. Ok. Oui, c'est... Attends, on va arriver sur cette île, mais il n'y aura rien à manger. Mais c'est génial. Oh. Ah, ah. Attends, je crois que... Oh, on a notre avion. Oh, c'est moi. Oh, la tête. Oh, j'ai dû me prendre l'avion dans la tête. Oh, let's go. Oh, ouais, j'ai une tête de ballon, mec. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est? Oh non, mon avion a dû s'écraser. En pleine mer en plus. Oh, c'est vraiment pas de bol. Oh, la tête qu'il a. Mais... on a une de ses têtes, mais c'est horrible. On dirait Angela Anaconda. Oh non, je suis coincé au milieu de l'océan. Perdu de nulle part. Bon, bah déjà, il y a pas grand chose à manger. Hein. Après, il y a du bois, on peut faire une table de craft. Ouais, c'est vrai ça. Menis. Oh. Menis. Donc, on est chez Mani. C'est ça. Et apparemment, Mani, c'est peut-être le prénom de ce personnage. Ah, tu crois? Ah. Oh. Ok, donc. Oula. Alors, déjà, je peux me déplacer. Donc, premier objectif, Overspace, okay. Ça va être de trouver quelque chose à manger et à boire. Ok. Donc, ouais. Là, on a quoi là? On a un arbre, il n'y a pas de coconut en haut. Ah, si. Non, j'en vois. Oh, si, y a une oui. Noix de coco. Ah voilà, c'est bon, c'est ramasser une noix de coco, moi je m'y connais en survie. Il y a à boire et à manger dans une noix de coco normalement. Oui, et surtout un gros paquet de laxatifs, hein, donc Il y avait une planche à gauche. Ah oui, tu penses que c'est un bout de d'un radeau qui a dû s'échouer pas loin? Bah, je sais pas. C'est pas une planche, c'est une boîte. Mais c'est un carton, on était dans un avion Amazon. Tu veux vraiment ouvrir la boîte? Bah oui, de toute façon. Ouais. Oula. Oh, c'est une barre Attends, c'est... Non, c'est pas, pas une barre, c'est une canne à pêche. Je balance. Ok. Sympa l'ensemble short chemise. Bah écoute, ah j'ai rien eu. Attends, j'essaye. Voilà, là, il faut attendre. Okay. Voilà, là il faut attendre. Pour l'instant, ça mord pas. Non. Et je pense qu'il y aura la tension et tout. Ouais. Vas-y, appuie avec moi. Appuie à deux. Faut qu'on appuie à deux. Yes. On a attrapé un aran. Génial. Trop bien. Ah ouais, tu veux qu'on essaye un autre? Allez, vas-y. Vous avez attrapé Moby Dick. Ok. Le Kraken. Ok, attention. Attention dès qu'il est là. Regarde mes sourcils. Ils sont foncés maintenant. Je suis concentré. Ok. Attention. Attention. Vas-y. Il y a de la tension. Appuie. Ouais. Ouais, c'est bon. On a attrapé un maquereau bleu assez rare. Il est shiny. Bon, je pense que là, on a assez PC pour aujourd'hui. Hein. Bah deux poissons, une noix de coco, ça va. On n'a pas le choix. On est obligé de rester. On est obligé de rester là. On doit pêcher à vie dedans, c'est ça? Pour toujours. Pour toujours. On est non, après il faut peut-être cliquer sur le panneau rouge. Ah oui. Allez. Oh la vache. Allez. Mais c'est de plus en plus dur. Ouais, oh. C'est bon, on sera. Donc là c'est bon. J'ai quelque chose. Oh, il se passe quelque chose. Oh. Ah, c'est ce que c'est. On a mangé du poisson. On a mangé du dinot de coco. Ah, c'était vachement bon ce poisson. On a tout mangé, on aurait peut-être dû économiser un peu. La lumière. Surtout, on a mangé cru. Bonjour, le mal de bide. Je suis en train de disparaître. Je me sens vraiment pas bien. Et je commence à avoir très froid. C'est mes pieds, ça? Mes oreilles. Mes oreilles, on dirait des chips. Oh. Oh, mais c'est ça, on a mangé du poisson cru. Oh non, la gastro. Non. C'est pas le moment. J'adorais ce short. Ah. Oh non, on est mort. Oh non. Vous n'avez pas digéré le poisson cru. Attends, quoique. Je pense que... Oh. Qu'est-ce que c'est?
Quelle est cette lumière? Papier d'identité. J'ai tellement faim. J'en ai marre du poisson des dans un jeu McDo. T'imagines, toi? Qu'est-ce que c'est que mais ça? Mais quoi, c'est quoi? C'est ça, Manise. C'est un McDo. Mais c'est pile. Mais ouais, mais c'est incroyable. C'est vraiment un McDo. Attends, mais depuis quand il y a un McDo sur l'île? On est d'accord, il y avait pas ça avant, hein? Mais comment c'est possible? Bon, on y va, hein? Bah ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. J'ai pas pris mon portefeuille sur moi, il a dû rester dans... Là, il doit être avec Nemo, hein, dans l'océan. Est-ce qu'on peut manger? Oh, il y a des, il y a du poulet et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. C'est qui? Quelle est cette personne? C'est Manny. Ça devrait être comme ça, hein, logiquement. Et bonsoir, monsieur, et bienvenue chez Manny's. Qu'est-ce que je peux vous servir? Tyler, donne-moi quelque chose à manger, j'ai faim. Ouais. Bah vous avez quoi, en fait? À part du poisson, s'il vous plaît. Tant que c'est cuit. Pas de poisson. Tant que c'est cuit. Ouais, pas de noix de coco et pas de sable. Je fais quoi, là? Je J'hallucine? Monsieur? Monsieur, est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je vais me faire un câlin. Je pensais que j'étais abandonné au milieu de la cible. Je pensais vraiment que personne pour vous trouver. Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est Manny's ici, hein. Allez, allez, ça va aller. Ok. On a attrapé un coup de soleil, j'ai l'impression. Oh, je suis désolé, mais il n'y a pas de téléphone ici. Ah! Par contre, il y a des chiottes, ça c'est cool. Ouais. Et je ne peux pas vous aider, mais si vous ne vous calmez pas. Oh, il y a une piscine à boules! Let's go. Vous avez l'air tellement affamé. La seule façon dont je peux vous aider, c'est en vous offrant quelque chose à manger. Alors, qu'est-ce que ce sera? Oh non, je vais pas retaper la même tête. Bah écoutez, pendant que je suis là. J'avais pas un cheeseburger et un coquille. Je prendrais votre trip palmier XL. Attends, double mani, ok, le cheese. Oh, ça donne faim. Miam miam. Sunday là. Ah, je sais pas, vous avez du choix là. C'est terrible. Bon. C'est. Bah c'est le moment de. Pas de prix. Ouais, non, c'est vrai, y a pas de prix. Ah, j'avoue. C'est pas grave. Vous avez déjà payé. Hein? Comment ça, on a déjà payé? On a payé de notre votre vie, tu penses vie. Oui, ça va être votre ça. Âme. Vous avez vendu votre âme en vous crachant avec cet avion. D'accord. Tyler, c'est pas... ce sera? Oh, on a le choix, là. Un combo burger double mani ou un combo pépite mani? Qu'est-ce qu'on... Oh, le burger. Alors, le burger ou la pépite de chocolat. Pépite ok, ça part sur le combo burger double mani. Let's allez, go. C'est parti. Un combo double mani. Pour ici ou pour apporter? Bah, il y a mon jet ski qui va apporter sur place. Moi, Raymanta qui m'attend, c'est dehors. non, sérieusement? Non, je blague. Mais ça ne sera pas très long, monsieur. Ok. Ok, ok. Oh, les oreilles, on dirait, elles sont collées sur mon visage. Ah non, mais. Sur notre visage. C'est des chips. C'est des chips. Ok. Et voilà, un combo double mani. Hein, déjà? Mais ça va être super vite. Wow! Je voyais plus, hein. Y a pas de burger? Ah, si, si, dans la boîte, à droite, je pense. Bon appétit, monsieur. Bah, merci, je suppose. Bon, bah... On y va, hein. Allez, on va s'asseoir. Oh là 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 là. Il y a de la place, c'est vraiment bizarre, hein, quand même, l'ambiance, là. On est déphasé, genre, ah ouais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hop là! Et en plus, il nous surveille, t'as vu, il nous regarde. Ok, bon. Et bah, bon appétit, hein, Overspace, hein. Est-ce que tout cela est vraiment réel? Ouais. Oh, il a disparu! Ah! Tyler n'est plus là. Et en fait, il est juste en train de prendre les serviettes en dessous. Ah, désolé, j'étais là! Ah non, il est parti? Bon bah. Pas de jumpscare, s'il vous plaît. Ouais, non, s'il vous plaît. C'est pas la tronche. Bon bah, écoute, j'ai une frite. Du sel, il y en a pas besoin, il y en a un paquet dans l'océan. Ah! Le. Oh, ce burger! Double burger! Oh là là! Gala, je le sens! Ça a l'air bon. Oh, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé de burger. Oh, ça me fait saliver. Ah, ça va être bon, là, regarde ça. Dans ma bouche de polygone, là, je vais bien me régaler, là. J'ai presque oublié le goût du sable. Hein? Ah oui. Là, c'est la nuit, elle vient... Ok.
Ah. Oh non. Me dis pas que c'est un rêve. Oh non, on a rêvé de ça. On a halluciné, le poisson, il était toxique. Ah, c'était un poisson hallucinogène. Quoi? Tyler. Oh mon bide. Oh, me dis pas que ça a été un rêve. C'est bizarre la forme du palmier là-bas quand même, non? Ah bon, c'est le palmier qui te dérange, toi. Bah ouais, ouais. Oh non, ma jambe gauche et ma jambe droite me posent plus de problèmes. Ah ouais. C'était qu'un rêve. Non. J'aurais tellement voulu que ce soit réel, si seulement. Bon. Et là, il va y avoir un emballage de frites dans le sable. Oh, t'imagines? Ou alors, une frite. Oh, t'as raison, il y a un gobelet. Mais si c'est un rêve, pourquoi il y a un gobelet ici? C'est bizarre, non? Qu'est-ce que... Je n'ai donc pas halluciné. Il y avait bien un McDo hier soir, mais là, il a disparu. Ou alors, c'est juste la pollution des humains qui... C'est possible. C'est possible. Ok, crée un signal de détresse. Ok. Donc, Il nous faut du feu. Un gobelet. Impossible. Comment ça, genre... Ok. Donc là, il nous faudrait des planches. Ouais. Ça, c'est les restes... feuilles de palmier, peut-être. Oh, avec les feuilles. Bah oui. Faut les brûler. Par contre, il va falloir frotter. Y'a rien dans le bateau. Ah, je vais les voir dans le bateau de sauvetage. Dans le canoë. Un radeau de sauvetage. Oh. Des cordes. Mais elles sont peintes sur le radeau. C'était pour faire des économies. Génial. Bon, je vais aller voir. En tout cas, y'a vraiment rien autour de cette île. Hein. On est paumé. Il faudrait des cailloux seul au monde, ou un truc. Rien là-dedans. Oh. Y'avait rien au-dessus. Non, c'est les... des. Okay. C'est... Ah. C'est quoi ça? Ouais. Une feuille. Ok. Vous avez ramassé une feuille de palmier. Encore un peu. Ouais. Encore là. C'est bon, on en a assez. Avec ça, okay. On devrait peut-être pouvoir faire un feu. J'ai hâte qu'on parte d'ici. J'hallucine de plus en plus. Ah d'accord, on a écrit SOS. On n'a pas ramassé autant de feuilles hein, par contre. Je tiens à signaler. C'est la magie des films, ça. Ok. Ah, si seulement... Ah bah là, il attend l'arrivée du McDo. Mais il est là. Il est revenu. Tous les soirs, Menis réapparaît. Le fast-food réapparaît tous les soirs. Y'a quelqu'un dedans? Ah oui, y'a un client. Mais mec, c'est dingue. Oh, il a l'air stressé. Il est stressé. Ouais. Homme nerveux. Il semble agité. Ouais, ça se voit, ouais. Tyler. Attends, je veux juste aller visiter un peu, Ouais. C'est la folie. D'accord, on peut pas y aller. On peut pas aller aux toilettes. Là, il y a une porte verrouillée. La serpillère, tu peux pas la prendre. Ça aurait été pratique. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas un abus 2000, Overspace. C'est quoi ça? Hein? Maman, papa, moi. Tu crois que c'est nous quand on était petits? Je savais très mal dessiner, hein. Si c'est le cas. Je comprends qu'il m'ait laissé à la plage. Ah. Ah. Oh. Allez jouer dans la piscine à balles. Quel gamin. Tu crois qu'on peut faire du toboggan? On peut peut-être aller voir ce qu'il y a dans le toboggan. Oh. Il y aura forcément un truc à aller voir ici. Et en dessous. Il y a un truc. On peut pas le voir. On peut pas se rapprocher. Daddy, you. Kill to eat. Attends, quoi? Tu peux en manger? Me must eat. Oh, je sais pas trop. Il veut nous manger? Je sais pas. Bon, bah écoute, on va aller voir Tyler. Hein. Il y a des sauces et tout. Tyler! Il était super bon ton méga double combo là. Ah, bon retour! D'ailleurs, c'est le seul employé du mois. Oui, exact. Pardonnez-moi, mais j'ignore pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'assoie. Est-ce que je peux vous servir? Alors, on fait quoi? Commander ou parler? Parler peut-être. Parler. Avez-vous déjà entendu parler de Dindy? C'est un musicien célèbre. J'ai acheté des billets pour aller le voir en concert. J'ai demandé congé pour l'occasion. J'espère vraiment pour l'avoir. Assez parlé de moi. Qu'est-ce que je peux vous servir? Bah s'il nous propose les pépites. Qu'est-ce que tu peux nous servir? Bah écoute, est-ce que le menu a changé un peu là? Wow, attendez une seconde. Quixia. Peut-être me dit quelque chose. On n'a pas le choix de ne pas choisir. Je suis désolé monsieur, mais il semblerait que vous n'ayez pas payé. Hein? Mais hier soir, il nous avait dit qu'on avait payé et pourtant on n'a rien payé. Ah ouais? Ne vous inquiétez pas, on dirait que vous en avez assez pour faire un don. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, oh, c'était ça le truc sur le mur. De nos merveilleux clients ont fait des dons dans le passé. Mmh. Au secours! Il y avait marqué au secours? Ouais, il y a marqué au secours. Catherine, Suzy, Fong. Où êtes-vous, maman et papa? Oh non! C'est marqué. Ah ouais! Où est la nourriture? Ah oui, où est-ce que vous êtes, papa, maman?
C'est trop bizarre. De plus, faire un don vous permet de signer ce joli petit bout de papier et de le coller sur le mur. Les enfants adorent ça. Alors, aimeriez-vous faire un don au manoir Méni aujourd'hui? Non! Non! J'ai juste faim! Pourquoi je ferai un don? Je suis désolé, monsieur. Mais est-ce que quelque chose... est-ce que quelque chose que j'ai dit? Quelque chose que j'ai dit? Viens tout de suite et donne-moi mon chicken! Wow, je ne ferai pas cela! Nous ne voulons pas aggraver cette situation au point d'en appliquer le gérant, faites-moi confiance. Tu vois le mur là-bas? Employé du mois. Ah mais attends, mais t'as raison, c'est lui. Mais oui. C'est tout le temps lui l'employé du mois. 8 mois d'affilée. Je suis fier de mon service à la clientèle. Ainsi que de ma capacité à gérer les plaintes des clients. La satisfaction de la clientèle est très importante pour moi. Mais malheureusement, ceci est une plainte que je ne peux résoudre. Si tu n'as pas payé, tu ne reçois pas de nourriture. Ce sont les règles. Non seulement ici, mais partout. Tu peux remercier le capitalisme pour ça. C'est quoi le rapport? Tu connais monsieur 5 doigts? Madame 5 doigts? Tu vas manger une soupe de phalange. Laisse-moi te demander ceci. Qui était-ce? Hein? Quoi? J'ai des flashbacks de quand on était Tu as déjà payé pour un repas? Alors, qui était-ce? Non! Il y avait une personne avec tout dans le radeau? Mais je m'en souviens pas! Il devait sûrement y avoir quelqu'un. Il devait sûrement y avoir quelqu'un. Sinon, tu n'aurais pas pu le perdre. Comment est-ce arrivé? Es-tu affamé? Oh, tu crois qu'on l'a mangé? Non. Cet énorme front dit le contraire, on va se mettre. Oh là là. Assoiffé. Es-tu assoiffé? Oh, on s'est battu pour la bouteille d'eau? Oh non, il y a un couteau! Tu crois qu'on s'en est servi? Oh non! Non! C'est un outil. Ah! Oh non! T'es pas vraiment du bœuf dans ton burger hier soir, gamin? Tu rigoles, imagine! On a mangé notre pote! Non! Mais il avait si bon goût! Mais quand même, non! Il avait si bon goût! Les gens désespérés font des choses désespérées! Et c'est toujours comme ça! Ce n'était pas mon intention. C'est moi, j'ai les cheveux blancs, là. La vérité est que, ce l'été, on peut pas lutter contre la nature humaine, on va se passer, tu le sais. Nous sommes nés pour entre-tuer. Nous sommes encore des animaux. On s'habille. Et on se rend à notre travail de... Et on traite avec des gens qui veulent... Ok, super, qui veulent maltraiter un adolescent sous-payé. Quoi? Tout ça pour des cornichons dans un burger. Et au bout du compte, le client reçoit le sandwich, l'enfant reçoit la cicatrice. Et tu vas agresser parce que tu peux pas payer. Pfff. Vas-y, pas de problème, j'ai reçu pire que le mieux. Alors soit tu me frappes, soit tu enlèves les cornichons de ton burger et tu fais avec. J'adore ces cornichons. Oula! Ça va, mec? Je pense que... Y'a mes cheveux arrière qui se barrent. Hein. Ouais, ils sont un peu bleus. Excellent choix. Comme je l'ai dit auparavant, tu n'as pas assez pour faire un don. Il semblerait que lorsque tu aies tué cette femme, tu as pris 2 vies au lieu d'une. Non! Non, elle était enceinte! Pourquoi j'ai fait ça? Je m'en souviens plus. Oh là là! Tu n'avais aucune idée, n'est-ce pas? Les enfants sont si naïfs. Mais... Tu peux le dire, Vince, si tu veux. Mais c'est pourquoi la direction préfère les âmes les plus matures. Elles valent beaucoup plus, apparemment. Et elles sont meilleures au goût. Oh non! Oh non! Oh non, dis pas ça, Taylor! Oh, y'a un dessin! Y'a un dessin derrière l'ordi. Ah ouais? Ouais! Ah, il s'est levé, le mec. On a tous des belles chemises, hein. Ah, monsieur Petrovski! Vous êtes juste à temps. Ça fait un bon moment que vous attendez, n'est-ce pas? Mes excuses. Néanmoins, il semblerait que j'ai une solution pour vous deux. Oh non, va devoir se battre! Lui aussi, ça se trouve, c'est un mec coincé sur une autre île. Ah, peut-être. L'un de vous veut manger? L'un de vous doit... Non! Aussi simple que ça! Vos plaintes. Vous pouvez en faire part à la direction. À présent, qui reçoit le couteau? Le naufragé? Ou le père indigne Petrovski? En fait, laissons le destin décider. Il va faire tomber le couteau. Oh non, c'est comme le jeu de la bouteille, mais avec le couteau. Oh, c'est mon couteau.
Le stress est à son comble. Est-ce que le naufragé va-t-il récupérer le couteau devant le père indigne? Ou ce sera le père indigne? Au prochain épisode. Et c'est... le père indigne. Je ne sais pas. C'est de quel côté qu'il faut le prendre en fait, ça dépend. C'est à nous. Espèce, on va devoir le faire, on n'a pas le choix. Courir. On doit manger ce steak. Moi je crois qu'il va falloir courir. Tu crois? Au pire, on peut juste boire un soda, hein. Ouais, je mange une noix de coco. Hein. Félicitations, monsieur Petrovski. Non, il a le couteau. Il va falloir courir, mon espèce. Mais on va où? Relâchez les 7... Relâchez les 7 sauts de l'enfer, mais c'est quoi ce jeu? Il va me poursuivre. Il est sorti. Il est dehors, regardez, il est dehors. Il est parti au chute. On a vomi par terre de dégoût. Les 7 sauts de l'enfer, c'est quoi les 7 sauts de l'enfer? Bah, il doit y avoir des trucs scellés un peu partout, genre des traces comme des incantations. La porte. Il est rentré dans la cuisine. À droite, sur le banc, il y a un truc. Dessin d'enfant. Prends-le. Tu peux pas? T'as raison. Faut que tu prennes tous les dessins. Okay. Ça fait un rire. Ok, ça fait deux. Ok, c'était ça. Daddy veut me manger. C'est peut-être lui le père indigne. Oh, regarde. Il faut Waouh. Saut impie. Le saut a été brisé. Ok. C'est trop bizarre, hein. Donc ça, faut le faire à plus... faut le faire plusieurs fois, ça. On peut toujours pas aller là-dedans. Y a rien dans les boules. Oh oui. Regarde, on le voit au-dessus du truc en carton. On voit tous les sauts. Oui, de la feuille, tu l'as fait, tu veux dire. Ouais, mais aussi du truc en carton, regarde à gauche. Ah oui, je l'ai pas vu. Ah bah, je l'ai pas fait, attends. Voilà. Et alors celui-là-ci. Ok. Faut trouver d'autres dessins. Je l'entends marcher, hein. Il doit être dans les cuisines. Oh, oui. Ah, oh, je peux... Là, je le vois bien, là, non? Ouais, ouais, mais on peut pas. On peut rien faire pour l'instant. C'est pas un vrai. Y'a un dessin dans la cuisine. Oh là là, ça veut dire, qu'il va falloir aller dans la cuisine. Ouais. Pourquoi le bouton vert il est différent? Oh. Pareil, je peux pas le prendre. Ok. Bon, moi on sait où il y en a deux. Ouais. Tu crois que je dois aller là-dedans? Vas-y. Oh là là. Ok. Oh là là. C'est fermé ici. Oh bon, froid. Tyler, tu vas le payer. Daddy a commandé de la nourriture. Ok. Ah, la vache. La vache. La vache. Mais on va faire comment? Il va me poursuivre constamment. Bien joué. Tu t'as pas brisé celui de la caisse? Ah oh, d'accord, tu peux passer là. Cool. Ça va aller, ça va aller. Oh, y'en a un ici. Tu l'as vu? C'est un drive. Ah. Celui de la caisse, je l'ai pas fait, c'est ça? Ouais. Il va poursuivre. Il sera pas obligé de rentrer dans la cuisine, tu pourras le faire depuis l'intérieur du restaurant. Ouais, je sais. Faut qu'il me lâche, hein. Cours, 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 cours. Vas-y, rentre. Mais c'est hyper long pour ouvrir. Non, c'est bon, regarde cette TV. C'est bon, il m'a perdu là. Parfait. Ok, maman elle pleure, elle est triste. Ok. Et ensuite c'est les deux autres dans le restaurant. Tu crois? Dans la cuisine. Ça s'ouvrait pas ça? Si. Hein? J'imagine que je devais acheter cette... Ah, c'est... acheter cette... C'est le truc qu'il aimait bien? Ouais, le P de Indy. Donc ça c'est bon. On réessaye ceux dans le restaurant. Ouais. Il est où? Il est où? Il a... Il est dans le restaurant! Il va garder les deux autres dessins. Tu crois? Il surveille les deux autres dessins. Ça serait bien qu'il retourne dans les toilettes. Peut-être c'est dans les toilettes. Je sais pas. Attends. Attends. Oh oui. C'est si long. Y'a rien ici.
C'est ça, il va aux chiottes. Oh non. Oh la vache. C'est quoi ça? Love my... Ok, j'adore ma maman. Ouais. Et je pense que... Ouais, il marche pas. Ça doit être dans le... Oh là 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 là. Il doit y en avoir un dehors. Tu crois? Il n'y en a pas? Non. Celui-là on l'a fait, hein. Ça c'est ouais, fermé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est fermé. Ok, ok. Lui on l'a fait. Il en reste que deux. Bah, mais c'est des clés ou quoi là, ici à gauche là? Non. Ah non, dommage. Oh, il est là, il est là, je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, 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 ouais. Faut aller dehors. Vas-y. Peut-être sur un palmier. Peut-être sur le toit du bâtiment, non? Je suis pas sûr qu'on puisse y aller, mais. Le poteau là, le poteau géant peut-être? Ah oui. Oh, bien joué. Oh oui. T'es un enfant. Oh non, il l'a tué, sa on maman. On dirait un peu. Pour. On dirait toi, non? Oh, c'est bon. Ouais. Bien joué, c'était le dernier. Oh, oh non, il nous a trouvé. Non, lâche-moi, lâche-moi. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, monsieur Petrovski. Lâchez ça. Attends, tout de suite. Vous faites une erreur. Ah, tout ça pour la bière. C'est fameuse. Ah, vous m'étranglez. Oh. Il va se prendre une noix de coco. Attention. Allez. Encore un coup. Encore. Oh, il la prend en pleine tronche. Oh, l'œil. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Oh, il vient de se réveiller, il est conscient, tu crois? C'était donc vrai? La probabilité de se prendre une noix de coco sur la tête est plus élevée que celle de gagner au loto. Oh. Oh non, je... Oh. C'est bizarre. J'ai... Qu'est-ce qui m'a... J'ai mal. J'ai vraiment mal à mon œil. Oh non. Oh la vache, il la prend en pleine tronche. La tête. C'est terminé pour toi. Petrovski. Oh, le coup de noix de coco. C'est mon cheeseburger. À moi. Ah oh non! Il y a déjà du ketchup avec la viande. Ah bah ouais, ouais. C'est... Voilà. C'est bien, j'avais demandé du ketchup, ça tombe bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il m'a fait mal au cou quand même. Hein. Il pleut du sang? Ah ouais, on dirait. Comme si le sacrifice avait été fait. Oula. Oh! Oh non. Oh! Fire! Ah, monsieur Petrovski, déjà de retour? Et non, c'est nous! T'es déçu? Y'a plus de Petrovski. Toi? Ouais, c'est moi! Attendez, je... C'est pas du tout ce que je voulais dire, je... Tu vas me donner un hamburger tout de suite, mon gars. Je te le dis. Bon, d'accord. Bon retour chez Maniz, monsieur. Qu'est-ce que je peux vous servir? Ce que tu viens de dire hier. Enfin, il y a quelques secondes, je veux dire. Bon, alors attends. Laisse-moi reprendre mon air naturel, tout va bien. alors, Madinox, un cola. Oh non. Quoi? Oh non. Je vais choisir quoi? Toi. Tiens, j'en ai plus besoin. Voilà. Enfin, si, peut-être pour couper mon burger, mais. Alors, comme ça, c'est comme ça que ça va se passer, hein? On dirait bien que tu as payé finalement. Tu es sûr que tu peux manger tout ça? Oh oui! Donne-moi tout, absolument tout, je veux tout. Je veux tout, mec. Oula. Pourquoi tu te rapproches de moi comme ça? Je vais aller te chercher ton repas alors. Oh, frites, double frites, nuggets, mon gars, double burger, là. Eh ben, ce regard. Je vais déguster ce burger en regardant. En te regardant droit dans les yeux. Vachement bon, celui-là. Et ces bonnes petites frites. Je crois que c'était un nuggets, monsieur. Et cette boisson. Et ce milkshake. Ah, un bon goût de victoire, en tout cas.
Et... Qu'est-ce que... il a signé un truc. Ah, le don. Le truc de don. Oh, ça, c'est la pire erreur que j'ai dû faire, je pense. Brian était ici. Oh... Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous, monsieur Brian? Je vous suggérerais de regarder la carte des desserts si vous avez encore un peu faim. Mais il semblerait que vous venez tout juste d'épuiser vos crédits. Ah, attends, quoi? Faut recommencer? M'oblige pas à sortir mon couteau. Oh, tu vas me tuer ici? Devant tous ces témoins? Mais quel témoin? Laissons le destin décider alors. C'est ma réplique. Ok, attention. Est-ce que ça va être nous, Tyler? Let's go! C'est Tyler. Ça va être pique prendre, non? Est-ce qu'on va lui laisser cette chance-là, tu crois? Non. Il s'est trop moqué de nous. C'est encore vous, je crois. C'est bien ma chance. On dirait que tu vas devoir... enfuir. Gagner ton pain. Oh! What? Non, il a pas lancé le gobelet de coca sur l'électricité, du coup, il y a plus de lumière. Génial. C'est quoi ce genre? Enquêter Maniz. D'accord. Oh, regarde le visage. Oh, il a été défendu. Bah moi je vais y aller. Moi hein. Je vais partir. Hein. Moi je m'arrête là, hein, je te le dis. T'es un ouf. Il est parti dans les coins. Il est parti dans les coins. Par contre, la lampe torche, c'est du 5000 watts ou... Oh! C'est la chambre froide et il y a les gens qui sont morts dedans. Il y a une femme. C'est la dame. Ça, c'est les autres. Il y a une mystérieuse trappe ici. Il sera impossible de faire machine arrière une fois entré. Voulez-vous entrer à la trappe? Pas encore? Si? Oui? Pas encore. Après, peut-être. Je pense qu'il y a rien. Hein. Tu crois? On peut pas faire un feu là avec un truc? Oh non! Oh, l'eau est rouge. Oh. Oh. T'es sûr de vouloir rester dehors là? On va rentrer hein. Allez hop, hein, c'est parti. On y va hein. Ouais, tant pis. Hop, allez hop, on le attrape, on s'en va. Ça pourra pas être pire que dehors. Ça pourra pas être pire que dehors. Oh, c'est un tunnel. Trouver Tyler. Trouver. Oh. C'est sûrement une vieille lumière. On dirait un truc de mine. Une mine. Oh non. Gimli! Harry! Alors moi je touche pas l'eau. Nous allons devoir trouver un Horcrux dans cette caverne. Je touche pas l'eau, hein, je te le dis tout de suite. Non, non. Ça sent pas bon l'œuf. Ne jamais toucher l'eau dans une caverne. Parce qu'il y a temps. C'est quoi ces trucs là? Fente quoi de la manivelle. Il manque quelque chose. Bah il manque la manivelle justement. Oh! En bas non? Là, y'a des jerrycans. Ça doit être radioactif ce truc. Attends, de l'autre côté, on pouvait pas sauter sur les caisses? Ah, bah ça va en fait. Oh! Oh, y'a un truc là. Oh. Ok, 4 et 2. Il faut quoi? 4 pas, 4 pas vers le sud du générateur et creuser. Je peux pas prendre l'appel, mais regarde, c'est bien ça, regarde, on dirait un générateur. Non, de la table! 4 places pour atteindre le générateur. Hein? 2, 3, 4. D'accord. Il fallait mettre deux coups de manivelle en fait, selon le truc. Il fait peur le générateur. Ouais. Faut prendre des jerrycans, tu crois? Ça en fait pas? Ouais, 4 pas et deux coups de truc. Mais c'est rien à voir avec l'appel. Hein. Ah, mais non. En fait, tu te diriges de 4 pas en direction de la brouette, pas un de plus. Et deux. Et dès que t'as fait 4 pas, tu fais 2 pas à gauche. Ok. 1, 2, 3. Ah non, il est là, pardon, attends. Deux ici. Ouais, voilà. Ok. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ok, et là à gauche vers les deux caisses, non? 1, 2. Il y a un truc. Let's go! Bien joué ça! Vous avez ramassé une manivelle! Elle était dans l'eau, bien voilà. Joué! Ok, bah. Trop bizarre, hein, les jerrycans. Ouais. Hop, c'est bon. Allez! On tourne la manivelle. On tourne le cœur.
Et c'est bon. Waouh. Bonjour. Faudra m'expliquer comment Tyler il a fait ça aussi rapidement. Ah bah il connaît hein, parce qu'il a été plusieurs fois. Voilà, c'est pas le drapeau Japon ça. Quoi, il fait voir Godzilla? Ah tu crois? Y'a des kaijus ou quoi? Ça se trouve c'était, ils ont fait des essais nucléaires ici, c'est peut-être pour ça qu'on a halluciné. Y'a des kaijus? Ouais, y'a peut-être Godzilla ouais. Ah, est-ce que c'est le soleil levant ça le drapeau? Ouais, c'est un drapeau très spécial du Japon. On est d'accord que... Ouais, y'avait rien. Moi je tombe pas là-dedans, je te dis tout de suite. Bah surtout qu'on est pas tout seul quoi. On est pas tout seul. Ouais, t'as raison. Oh là là. C'est grosse ambiance. Je vois plus rien. T'entends? Ouais, je l'entends. Mais on l'entendait depuis l'île, donc c'est ça, ça se trouve sur le fast-food, y'a... Y'a des cailloux, t'as raison. Y'a un Godzilla, enfermé. Avec King Kong. Ok. Mais qu'est-ce que ça peut être? Oh, je pense qu'on va bientôt le savoir. Tu crois? C'est rien, c'est rien. C'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau violente, mais une goutte d'eau. Oh là là. On va se faire repérer avec notre torche. T'es fou. C'est quoi ici? Y'a un autre... Oh, une clé. Oh, une clé. Cool, ça va ramasser une clé rouillée. J'espère qu'elle va pas se péter. Hein. Génial. Je vais à la droite, moi. C'est un labyrinthe. Ouais. On devrait peut-être aller là où il a couru, le mec. C'est sûrement Tyler. Ouais. Ah, il a fait tomber un truc. Ouais. Oui. Tyler, reviens ici. Tu me dois encore un cheese. Te mets pas devant le canon, te mets pas devant le canon. Porte-toi l'armurerie. Il est temps de s'équiper. Dynamite. Oh, les obus. T'entends? Oui, là. Il y a des gens qui chantent. Donc on a de la dynamite et un briquet. Fin. Tu vas péter ma chaîne. C'est quoi cette porte là? C'est un truc alien on dirait. What? C'est le Nether? C'est une forteresse du Nether? Alors? J'aime pas trop ça. Oh là là, mais qu'est-ce que... On dirait trop un truc alien. Ils sont tombés là-dessus pendant la seconde guerre. Avec des dynamites. Man. Ok. Il y en a... En tout cas, ça va exploser derrière nous. Non, mais justement, ils l'ont utilisé. Je vois plus rien. Continue. Et là, je tombe. Ah, je peux regarder le sol, cool. C'est mieux. Y'a plus de musique, hein? Non. Dis pas qu'on est dans l'antre du monstre. Si. C'était quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est un kaiju! Oh là 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 là, ça a l'air immense! C'est les kaijus avec des ailes! C'est pas Tyler ça! Fais pas de bruit. Je fais pas de bruit. Je suis même pieds nus pour te dire. Ça a l'air immense. Hein. Tu peux pas courir? Si, si. Ouais, on va courir. Hein. Bonjour. Qu'est-ce que... Ah, c'est plein de Tyler. C'est tous les employés du mois. Vous m'attendiez, c'est ça hein? On va faire une dégustation, c'est ça? Une méga dégustation? Oui, et tu seras la chose dégustée. Tu es l'élu du cheeseburger. Wow. Oula, oula, vous êtes vachement proches les potes hein. Lâchez-moi. Qu'est-ce que ça allait faire de moi? Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Dis-moi si ton estomac va espèce. Mais qu'est-ce que c'est? Mais lâchez-moi. Lâchez-nous. Je veux pas être sacrifié pour Godzilla moi. Oh non. On a pas le choix. Oh non. What? Oh! C'est Petrovski! Qu'est-ce qu'ils vont faire?
qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qui se passe? J'étais juste coincé. Regarde bien. J'étais coincé sur une île, là d'un coup je me réveille, on arrive dans un endroit bizarre. Ok. Oh le sacrifice. Oh non. Oh l'invocation. Ils vont invoquer un giga Godzilla, tu vois. Un gros reptile. Il est là! Depuis quand Godzilla il a 5 doigts en fait? Tu m'expliques? Je pense pas que c'est un kaiju, mec! Qu'est-ce que c'est? Oh! Mais j'y crois pas, j'hallucine! Oula! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? On dirait un burger moisi! C'est la mascotte de Manus! Oh non, c'est un burger géant le truc! Non, c'est la mascotte là, l'espèce de perso qu'il y avait! Ah! Avec sa crête rouge! Ah, c'est un poulet! Oh, il va le manger! Non, Petrovski! Ah! Il va le manger, c'est ça? Je sais pas. Oula! C'est pas bon, à mon avis. Ça sent pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Un de ses potes qui va aller dedans? Ah oui, non, c'est ça, ouais. Attention, et allez, un, deux. Et deux. Et à trois. Et hop, salut. Allez, bon app. C'est un peu petit, hein. Ouais, c'est un apéricube pour lui, quoi. C'est un curly, quoi. Et du coup, il va donner en échange des burgers. T'imagines? Par contre, éclairer la lumière, les gars, on voit pas votre visage. Tyler, c'est vraiment le chef. Hein. Chef rebelle, hein. Oula, et moi je suis bien. Ah, on dirait que je suis content d'aller là-bas. Me dis pas qu'on va y mettre la TNT dans sa bouche. Ah oui, on va se sacrifier avec la TNT. Vas-y, mange-moi. Mange-nous, t'inquiète, on est appétissant. Nickel. Ok. T'es prêt? Par contre, on a le briquet. Oui, on a le briquet et la dynamite. T'imagines, on aurait pas pris le briquet? Allez, mange-moi! Tu vas pas le regretter! Je tombe, on tombe tous les deux! J'ai oublié de les mettre dans mes poches, elles sont restées sur le côté. T'imagines? Non! J'ai des verrues, mange pas! Non, non! Ah! Bon bah, rip! Hein. J'aurais préféré que tu te laves les dents un peu plus souvent. Je crois qu'il a pas de dents. Et là, c'est le méga feu d'artifice, mec. Ah oui, c'était lui là! Ouais, non, ça, on dirait une patate. What? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue en Himalaya! Bienvenue en Himalaya! T'imagines, rien à voir. C'est normal? Y a rien qui est normal depuis le début. C'est vrai. C'est nous? Non, je pense pas, on dirait une dame. Oh. Ça va aller. Quoi? Oh, elle va tomber dessus aussi. C'est quand même pas la première victime de Manise. Tu crois? D'où le nom? Allez. Elle va y aller aussi. Ah, c'est ça, ça se trouve, elle est dans la neige. Et c'est pareil, en fait, dès que t'es en situation de désespoir et de faim, le fast-food Manise, il est là. Elle force la porte. Et ouais, non, t'as raison, en fait, là, elle est en haut d'une montagne. Elle est coincée en haut de l'Everest. Et à la fin, et elle peut pas redescendre, et voilà. Tu vois, c'était ouais, ça, c'est le mascotte, monstre. Ouais. Oh non, en fait, le fast-food, il apparaît que quand t'es en détresse. Et après, il te piège pour te livrer à sa créature. C'est génial. Moralité les amis, évitez de vous perdre. Évitez d'aller dans un fast-food. Oh non, Tyler, il est de retour. Bonjour monsieur, ah non, c'est monsieur en fait. Et bienvenue chez Maggie. Okay. Oh, désolé pour cela, je ne voulais pas vous effrayer. C'est Brian maintenant. Non, c'est nous. C'est nous. On a rejoint l'équipe. Oh, je suis désolé monsieur, mais il n'y a pas de téléphone ici. Par contre, je peux vous aider en vous offrant quelque chose à manger. Alors, qu'est-ce que ce sera? Oh! C'est enfin!
C'est sans fin, exactement. Et du coup, ça va être cette nouvelle personne qui va incarner le futur de Maniz, le futur vendeur, tu sais. Oh là là, ça change de serveur à chaque fois. Et bah ben voilà, les amis, c'était Maniz. Oh là là, c'est 10 soirs. Mais attends, est-ce que tu penses que du coup, la moralité, c'est que tout ça n'était que l'imagination? Ah, c'est une bonne question. En tout cas, les amis, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Justement, regardez, laissez un commentaire, s'il vous plaît. N'oubliez pas de nous recommander aussi, d'obtenir la bonne fin, si vous savez comment le faire, les amis. En tout cas, n'oubliez pas, bien sûr, de lâcher un maximum de pouces bleus, de likes, si vous adorez ce genre de jeu. Franchement, c'était trop cool. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup, les amis. Et on espère qu'un jour, peut-être, on débloquera, bien sûr, la fin secrète. Pour ça, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, vous ne raterez pas la vidéo quand elle sortira. Allez, ciao, les amis. Salut.